Le garçon et le tigre dérivèrent dans la mer pendant 7 jours et 7 nuits. Pour ne pas être mangé par le tigre, le garçon fabriqua un radeau pour s'éloigner du bateau. Mais le tigre avait tellement faim qu'il sauta dans la mer, regardant les petits poissons qui sautaient autour de lui. Le garçon s'amusait de la stupidité du tigre. Mais bientôt, le garçon ne peut plus rire, car le tigre nage vers lui. Le garçon a tellement peur qu'il tire sur la corde, et saute dans le bateau avant que le tigre ne l'attrape. Le garçon remet ensuite le radeau sur le bateau pour que le tigre ne puisse pas se lever. Le tigre était comme un agneau à abattre dans la mer. Le garçon a brandi une hache, et s'apprêtait à achever le tigre lorsque celui-ci s'est montré malin. Le garçon, qui n'avait jamais tué auparavant, fut pris de compassion et hésita un moment avant de tuer le tigre. C'était la nuit et le tigre avait passé une journée dans la mer. Pour éviter que le tigre ne meure dans l'eau, le garçon prit toute la nourriture du bateau sur le radeau et le poussa dans la mer. Il a ensuite posé une planche pour que le tigre puisse monter dans le bateau, tandis qu'il remontait sur le radeau. Ainsi, un homme et un tigre continuèrent à dériver sur la mer. Un jour, le garçon aperçut soudain un gros poisson qui se jetait dans le filet. Il l'attrapa rapidement, leva son marteau et le frappa violemment.